Si toi aussi tu aimes les licornes, lâche un like. Hey, salut les zouzous, c'est Pouk, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, on se retrouve ici pour l'épisode 2 de Unicorn. Donc l'épisode précédent, on a fini, j'espère en tout cas que ça vous a plu, j'ai pas vos retours parce que je vais finir tout le jeu à la suite, je verrai tout à la suite. On a fini ce niveau arc-en-ciel, donc là c'est soit le niveau bonbon, soit le niveau neige. Le niveau neige, il y a un portail, le niveau bonbon, il y a un portail. On va se faire le niveau neige. Est-ce que je peux? Non, je pensais que je pouvais casser ces cadeaux là, mais... Alors, on va parler à lui, ce petit ours bleu. Un petit bonbon, c'est un petit bonbon sans gélatine, c'est sympa. Alors, tu arrives dans le monde des neiges. Oui, est-ce qu'il y a la reine des neiges là-dedans? Je ne sais pas, tu ne sais pas. Il fait froid, certaines plateformes sont glissantes, il faut faire attention. Pas de soucis, monsieur le bonhomme, merci. Merci de l'info. Bon, la musique reste la même, par contre. Voilà. Alors, la musique change. Bonjour, je suis dans le monde des neiges et je vais prendre un selfie avec mon rey. Ah, laisse-moi. Je vais prendre un selfie avec mon rey le... Mais, bordel, laissez-moi prendre un selfie avec mon rey le bonhomme de neige. Voilà. Bon, je vais parler à lui. Plusieurs paquets de cadeaux sont cachés dans les mondes. Non mais ça, je le savais. J'avais vu dans l'autre monde. À mon avis, je sais pas comment c'est le jeu dans l'ordre, mais il n'y avait pas de truc de précis... Il n'y avait pas de truc précis, d'indication précise de données dans les. Dans l'accueil, donc j'ai fait peut-être à l'envers les niveaux. Mais... En tout cas, j'aime bien, franchement, ce genre de jeu en multi, ça serait super intéressant aussi. Et le moteur graphique de jeu, mais laisse tomber comment je kiffe. Pourtant, c'est juste du 3D assez basique, mais je. Enfin, ça doit être compliqué à faire, je dis pas ça, mais. Je kiffe. Alors. Un pic de glace, on a une petite maison, faut que j'arrive à comprendre le niveau. Par contre, faut que j'arrive à comprendre le niveau. Et ça, c'est pas gagné. J'ai l'impression qu'il faut aller là-dessus. Est-ce que je peux faire ça? Yes. Bon, c'est pas glitché, il y a un chemin. C'est une sorte de cookies. Je veux le cookie! Je veux le cookie! Pardon, excusez-moi. Hop. Alors. Faut que j'arrive à choper celui-là. Oh! C'est la galère par contre à choper. En fait, ça te permet d'aller où en fait ça? De monter là en haut. Oh bah voilà, je l'ai eu. Et après. Et après ça. C'est celui-là. Et après ça, c'est celui-là. Non, dommage. Je suis sûr qu'il y a moyen de glitcher comme ça. Le jeu est bien fait, mais je suis sûr qu'il y a... Et voilà, t'es une licorne punchée, comme on a dit l'épisode précédent. T'es une licorne punchée, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Donc, voilà, pas besoin de passer par les vrais chemins. Tu glitches le jeu en mode balèque. Alors, là-bas, il y a un bonhomme de neige. Ouh, t'es une licorne, pas une chèvre. Ça va, c'est une phrase mythique, je pense, de ce let's play. T'es une licorne, pas une chèvre. Si j'arrive à tout glitcher, franchement. Ce serait trop beau, mais... Dégage. La violence. Oh, j'étais dessus. Voilà. Et là, on récupère les petites pièces. Je rappelle qu'il en faut 50 pour finir la fin du niveau. Enfin, débloquer la partie de la clé. Du coup, les pièces comme ça, facile, on les prend. Hein. Comme celles qui sont en haut, là, juste là. Là, on a clean par là. Et là, on va clean par là. Et on va clean Teaspoon aussi. Lol. Allez, désolé pour cette blague. Putain. Ah, pardon. Excusez-moi. Il y a un cadeau là, on va la prendre. Voilà. Il y a des cadeaux en bas, on va les prendre après. Bon, j'ai vraiment galéré un moment au niveau l'épisode 1 sur un endroit, mais là ça a l'air d'aller. A mon avis, ça devait être un niveau un peu plus difficile que celui-là. Parce qu'à mon avis, ça c'était le niveau 1, à mon avis, le niveau par où je devais commencer. À mon avis, j'ai fait le niveau 2 ou 3
en premier. Bon, au moins c'est fait. Hop, il y a eu un petit lag. Hop là. Bam! On a Licorne Norris, la sœur de Chuck Norris, version licorne. C'est parti, et je raconte vraiment de la merde des fois. Allez. Bam, bam, bam. Bonjour. Pour monter ce mur, il te faut réaliser des wall jump. Ouais, bah bien sûr, t'inquiète, pas de soucis. Répète les wall jump jusqu'en haut. Ouais, t'inquiète, je vais les faire, regarde. Fais ça, ça, ça. Bon là j'ai raté parce que j'aurais peut-être dû prendre là en fait au final. Ah bah non mais je suis bête, c'est un truc comme ça donc c'est comme ça. Voilà. Mais marge, j'avais dit je ferais un sans faute mais au final je suis mort. Ah je suis dégoûté. J'avais dit je ferais un sans faute pendant le let's play mais je suis mort à cause du wall jump. Je suis passé par dessus le... Je suis passé par dessus le... Bah le mur tout simplement. C'est une licorne punchée alors à court trop vite. On va une mort. C'est pas grave, recommençons. Recommençons. Bon, j'ai pas... Ah, genre ça me le recommence à zéro le niveau. Ah ouais, il rigole pas en fait. Quand tu fails un niveau, tu dois le recommencer à zéro. Ah ouais. Alors là, j'ai pas intérêt de me fail au niveau des nuages que je vois derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, là, il y a de quoi rager. Mais genre vraiment. Ah ouais, quand tu tombes dans le vide, tu recommences à zéro, quoi. C'est bien fait par contre, ça te réinitialise vraiment le niveau à fond quoi. Moi je pensais qu'il y avait des checkpoints en fait et que ça allait pas te faire recommencer à zéro. Bon bah prenons toutes les... Prenons toutes les... Imagine tu débloques les 50 pièces et à la fin genre tu meurs à la fin. Comment ça doit te faire rager. Là si je tombe par contre. Ou j'ai cru que j'allais tomber. J'ai eu de la chance. On a encore eu de la chance. Ouais mais là il me faut 50 pièces, ça va être galère. En plus là-bas il y en avait beaucoup. Ah puis il y en a en bas là-bas que j'ai pas prise. Bon on peut le faire les 50 pièces je pense, mais à mon avis il y en a à peu près une centaine par niveau pour pouvoir. Gérer le truc assez facilement, je pense, pour pouvoir pas rester bloqué. Je pense que la difficulté est assez moyenne. 27. J'esquive tous les méchants. Et les méchants nous donnent des pièces, non? Non, même pas. Oh non! Regardez ce qu'il y a là, j'ai galéré à l'épisode 1. Devant ces trucs-là. Non, j'ai pas envie de me le tenter. Franchement, j'ai vraiment pas envie de me le tenter. Mais j'aurais pas 20 pièces là-bas en bas et tout ça. Là-bas, il y a masse pièces, mais j'ai pas envie de me le tenter parce que je sais que je vais fail. Je rage quitte maintenant. Maintenant, je vais racheter maintenant. Est-ce que t'es sérieux? Sérieux. Je crois que c'est le niveau le plus difficile, je crois, vraiment. Je rigolais, mais là, plus trop. Ok, on se retrouve. Bon, voilà, j'ai refait toute la partie avec le bonhomme de et tout ça. J'ai réussi à prendre les trucs en haut, du coup, j'ai galéré avec le cookies, là. Et du coup, on a 35 pièces, voilà. Là, je vais tenter le jump là, puisque j'ai vu que c'était par là l'accès. Non! Mais non! C'est moi, je reprends le règle, je meurs! Mais non, c'est pas possible! Pourquoi? On va se retrouver. Ok. Yes, je suis passé. Ok, encore 11 pièces.
fois, faut que j'arrive à repartir de là sans tomber. Ce qui ne va pas être une mince affaire. Bon, je touche plus rien en fait, j'accélère plus. Du coup, le personnage il avance tout seul. Je crois que c'est un peu la stratégie qu'il faut adopter. Et là, je vais sauter directement en bas pour pas me fake dans le vide en fait. Voilà, hop, comme ça, je tombe pas dans le vide. Voilà. Quitte à remonter ça, je préfère faire ça comme ça. Bon, désolé pour la rage un peu, mais... bon, quand tu recommences un niveau et que tu meurs, quand tu reprends le rec, c'est très rageant. Vite. Voilà. Bon, par là, c'est fait. Maintenant, on va aller à l'étape des nuages. L'étape du nuage, ça va être assez dur, je pense. On n'a pas été par là. Bon, j'ai pas envie de me fade dans le vide. Quoique. Quoique, pourquoi ne pas aller par là? Ah, il y a peut-être moyen de passer par là en fait. Il y a même carrément moyen en fait de passer par le passer par l'inspinner. Non, non, il n'y a pas moyen. Quoique. Parce que là, ce truc-là, ça me fait grave peur. Ça me fait vraiment même très très peur. Je sais que je vais me fail, alors du coup, bah, c'est pas rassurant. Mais bon, on est obligé d'y aller quand même. Ah, c'est stylé en fait, ça c'est une licorne qui est sculptée dans la glace. Voilà, on a clean bien toutes les pièces partout, quoi. On est obligé d'aller par là. Ah, je suis en stress, je vous jure. Ah, peut-être moyen d'avoir les pièces là-bas. Les pièces manquantes, il y a sûrement moyen de les avoir là-bas, mais... Et après, faut que j'aille par là, puis par là, puis par là. Ah, mais en fait, alors, j'ai fait un saut comme ça, mais... Il faut que je saute sur le truc de glace, c'est pour ça. Mais ça va être tendu, en fait, la fin, là, de ce niveau. Je vous jure que je suis en stress, mais genre, vraiment. Je crois que j'ai jamais autant stressé dans un jeu. Parce que j'ai clairement pas envie de recommencer tout. Bon, 40 pièces, il nous en manque 10. Là, il y a 45, il nous en manque 5. Là, il y a 46, il nous en manque 4. Ouais, je dis 46 parce qu'il y a le petit cadeau là. Mais... Voilà, 46. 47. Et là il y a par là, mais c'est un truc suicidaire ça là. Ça peut être drôle de sauter là-dessus, mais je crois qu'on est obligé d'y aller, je crois, pour avoir toutes les étoiles de tous les niveaux. Mais c'est clairement beaucoup trop suicidaire, mais genre vraiment. Parce que là je veux bien, mais là je vais tomber, je vais mourir, hein, c'est obligé. C'est obligé, je tombe, je meurs. C'est clairement pas possible autrement. Ça me fait trop peur. Puis là, ça me fait encore plus peur d'aller là-bas. Il manque 3 étoiles. On va aller y aller. On va y aller. J'espère qu'ils y seront. S'ils y seront pas, c'est pas grave, je recommencerai le niveau, mais. Ah, il se déplace celui-là, nice. Non. 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 Bon bah j'ai plus qu'à recommencer tout le niveau hors caméra. Putain, DR, regarde où je suis. Je suis hors caméra et j'ai juste speedrun ça et j'ai réussi à y aller. Comment être deg? Comment être très très deg? Du coup, on a masse pièces. En fait, le truc de spinner était pas si dur que ça. Je l'ai réussi du premier coup, premier essai, premier coup. Voilà. Je vois que j'ai speedrun ça en fait, j'ai que 15 pièces parce que je suis allé directement là pour tester, voir si c'était possible ou pas.
Et en plus, j'ai même pas besoin de faire le chemin inverse. Je vais le faire quand même pour vous montrer que c'est pas du fake. J'ai bien réussi si j'arrive à choper cette pièce là. Voilà. Allez, je vous montre. Là, les tueurs, je vais tomber. Non, même pas rien. Voilà la concentration d'un homme. Voilà, voilà, je l'ai réussi, tout simplement. Maintenant, je vais récupérer tout parce que j'ai vraiment speedrun le niveau de ouf. Donc là, je vais refaire le niveau. Du coup, je fais le niveau à l'envers parce que j'ai pas pris le temps de prendre toutes les pièces. Donc là, je vais prendre le temps de bien toutes les prendre. C'est juste pour tester là si c'était possible ou pas. Parce que du coup, au cas où. Et maintenant, faut que j'arrive là-bas en face, à aller là-bas en face. Mais ça, par contre, ça va être tendu. C'est pas grave. Je recommence le niveau. On se retrouve au moment de la ligne d'arrivée, voilà. Ok. Ouh. C'est bon, on va avoir les 50 pièces, c'est parfait. J'ai repris là parce qu'en fait on va avoir les 50 pièces. Maintenant faut arriver juste à arriver là-bas quoi. À moins que ça se débloque ici peut-être, mais ça serait même plutôt très très cool, mais à mon avis ça m'étonnerait. 47, 48, encore 2, 50. Et non, ça se débloque là au fond. Et il n'y avait pas de pièces ici, donc j'ai bien fait de tout simplement venir là quoi, parce que j'avais pas le choix. Allez, T1, on prend les deux petites, on prend les trois petites en bonus. 52 et 53. Ça avance. Pourquoi ça avance? Est-ce qu'il faut passer en dessous? Ouh là là. Fallait pas passer en dessous. Pardon. Fallait passer au-dessus. Fallait pas passer en dessous. Mais quel débile. Je suis guaqué maintenant. Parce que la plateforme, elle est plus là. Ouais. Ah ouais, là je suis guaqué complètement. Genre vraiment. Parce que la plateforme elle est plus là. Il avait pas prévu ça, je pense. D'accord. Ah ouais, fallait passer au-dessus en fait. Fallait faire un double jump au-dessus comme ça. D'accord. Ah ouais, non mais là c'est mort. Ah ouais, comment je suis deg. Bon bah tant pis hein. On va refaire le seum. À moins qu'il y ait moyen de passer par là, mais on n'avait pas moyen. Bon bah c'est pas grave, je vais refaire. Bon voilà, on est là. Donc on va essayer de pass fail cette fois-ci, ou le petit lag. Donc les petits lags ils passent. Hop. Voilà, et cette façon c'est de pass fail, on a tout bien débloqué. Oui. Oui. Vite, rattrape-le. Non mais non, c'est pas possible.
Oh oui, j'ai réussi. Oh oui. Je parlais plus, j'ai réussi enfin. Ah, ce nouveau m'a fait péter un câble. Mais vraiment. Voilà, j'ai enfin réussi. Après, maintes essais. On a enfin réussi à interagir au B. Hop, il nous reste du coup le dernier niveau à faire qui est le niveau des bonbons, mais on le fera dans le prochain épisode. Alors on va se laisser là pour cet épisode. Je sais pas ce que j'aurais fait en termes de montage parce que j'ai vraiment galéré sur ce niveau. Mettez un gros like de licorne, partagez la vidéo. N'hésitez pas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.